Aquabar dans Allume la télé. Votre programme de la soirée dans ALT démarre en trombe sur une note de nostalgie musicale avec Cisco de l'emblématique groupe Young System qui nous fera danser sur son indémodable titre Jolo National. Elisabeth Belrose, la directrice de l'agence de marketing événementiel B2 Blessentiel, nous parlera de son concept de spectacle clé en main. Une soirée illustrée par nos rubriques habituelles présentées par Fatim Camara. Till I can't no more, I'm gonna take my horse through the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I got the horses in the back, horse stock is attached. Head is matted black, got the bushes black to match. Riding on a horse, ha, you can whip your Porsche. I've been in the valley, you ain't been up off that porch. Now, can't nobody tell me nothing. Can't nobody tell me nothing. You can't tell me nothing. Riding on a tractor, lean all in my bladder. Cheated on my baby, you can go and ask her. My life is a movie, bull riding in boobies. Cowboy hat from Gucci, Wrangler on my booty. Can't nobody tell me nothing. You can't tell me nothing. Like a rock star, spend a lot of money on my brand new guitar. Baby's got a habit, diamond rings and Fendi sports bras. Riding down Rodeo in my Maserati sports car. Got no stress, I've been through all that. I'm like a Marlboro man, so I kick on back. Wish I could roll on back to that old town road. I wanna ride till I can't. Yeah, I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna till I can't no more. I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. Qui nous est présenté par B2B L'Essentiel. On va pouvoir recevoir notre charmante créatrice Elisabeth Belrose. C'est bien ça. C'est bien ça. Voilà, et nous sommes ce soir, j'ai envie de dire que j'ai le plateau le plus sécurisé de la planète parce qu'ils sont là. Young System est avec nous à travers Cisco. Voilà, et ce très beau public hein, qu'il a ramené avec lui, j'ai reconnu le boss Azara, le ragnard. Donc ce soir-là, celui qui fait rêve, il va me trouver sur son chemin. On part pour les informations, l'actualité d'ici et d'ailleurs à travers le journal des JT. Bonsoir à tous, c'est vendredi, on va la faire courte. Le président congolais Denis Sassou Nguesso a été reçu hier par son homologue russe. Les deux hommes se sont rencontrés sur fond de célébration de 60 ans d'amitié entre Brazzaville et Moscou. Vous avez personnellement beaucoup fait pour le développement des relations russo-congolaises. Vous avez participé aux deux sommets russe-afrique. Et vous faites les efforts nécessaires pour développer notre coopération dans presque tous les domaines, je veux dire au niveau politique. Et récemment, les relations commerciales et économiques se sont développées de façon notable. Nous vous sommes reconnaissants pour votre travail commun sur la scène internationale. Dans l'ensemble, tout va bien pour nous. Le président congolais, qui s'est dit satisfait de cette coopération, a reçu une distinction d'honneur des mains de son homologue Vladimir Poutine. Suite à la tentative de prise de contrôle du palais présidentiel hier, tentative manquée d'ailleurs, le président bolivien a nommé de nouveaux commandants militaires. Pour rappel, hier, le chef de l'armée bolivienne, avec quelques-uns de ses soldats, a tenté de prendre de force le contrôle du palais en enfonçant les portes
de ce dernier avec un blindé, tentative échouée, nous l'avons dit. Nous y reviendrons certainement dans des prochains points d'actualité. C'est tout pour ce point d'information. Retour en plateau. Voilà, là, on est de retour sur le plateau avec nos deux invités, une charmante dame pleine de douceur, de calme, de créativité, et puis le boss des Zigei qui est avec nous. Mmh. C'est pas ça? Moi, en tout cas, j'ai le plateau le plus équilibré des vendredis. On va dire ça comme ça. Alors, Elisabeth Belle-Rose nous a présenté une très belle fresque tout à l'heure. C'est un clin d'œil, en fait, pour montrer ce que je crée. Mmh. Et c'est vraiment important parce que dans ce que je crée, il n'y a pas de type particulier. C'est un peu comme un type du monde. C'est pour ça que j'ai choisi le thème cowboy. Et on retrouve néanmoins tous les styles à travers les costumes et les personnages. D'un coup, on est en Inde, d'un coup, on est aux États-Unis. Mais on est bien ici, avec des artistes. Ça. Avec des artistes ivoiriens, purement ivoiriens, 100% ivoiriens. Et ça, c'est la magie de la créativité, c'est la magie des arts, tout simplement, parce qu'Elisabeth ne s'est pas retrouvée chef d'entreprise par hasard. Il y a eu une passion de départ. Comment ça s'est passé pour que vous deveniez chef d'entreprise de concept événementiel aussi créatif et audacieux, surtout? Je pense que c'est surtout une grande envie de liberté, d'exprimer ce que j'ai dans ma tête. Je pense qu'il y a des choses qui sont tellement compliquées à dire. Je parle beaucoup d'amour, je parle beaucoup d'unité, je parle beaucoup de diversité. Et la seule façon pour moi de le mettre en vrai, c'est à travers les spectacles. Au départ, c'est vrai, j'étais une bonne directrice marketing dans différentes grandes structures. Et à la fin, ce besoin de m'exprimer s'est imposé. Et en 2005, donc, du coup, j'ai créé B2B Gabon. J'ai commencé avec ça. Et j'ai commencé avec des spectacles qui étaient au Casino Croisette de Libreville, qui étaient tout petits et puis qui ont pris une ampleur. Je n'arrivais plus à maîtriser le flux de ça. Ce qui était bien, c'est que je travaille avec les gens, les locaux. Je n'ai pas une ambition démesurée ou des États-Unis ou autre, mais c'est de travailler avec les gens qui sont sur place. Et ici, je suis bénie parce que la Côte d'Ivoire, c'est juste que des artistes. Et il y a une grande dynamique, il y a un grand respect des artistes. On le voit à travers toutes les activités qui se font. Des artistes locaux, on ne trouve pas ça partout, je vous le dis vraiment du fond du cœur. Et du coup, pour moi, c'est une aubaine. Donc j'ai la possibilité de travailler, comme de monter ces tableaux, je l'ai fait en 2 heures hier, je crois. Mais parce que je travaille avec une troupe depuis que je suis ici. Et puis qui a l'habitude. Exactement, et qui comprend ce mécanisme, parce que ce n'est pas évident de sortir ça. C'est ça. C'est un peu compliqué. Ce sont des spectacles clés en main, en fait. C'est du sur-mesure. C'est du sur-mesure, mais avec toujours, vous allez toujours retrouver cette même authenticité, vous allez toujours trouver cette même originalité qui est l'envie féroce de montrer qu'on est beau parce qu'on est différent. Tout à fait. Et c'est ce que vous retrouvez, c'est ce qu'on retrouve dans tous les spectacles que je crée, c'est la diversité, que je propose. C'est vraiment, on valorise la diversité, on dit que le monde est beau, mais il est beau parce que chaque personne est unique, elle a quelque chose à apporter et à montrer. Ça, c'est bien dit. Alors, moi, je vous disais tout à l'heure que j'avais en face Cisco des Young System pour la jeune génération qui regarde cette émission et qui peut-être est perdue dans les repères. J'ai envie de vous faire écouter juste un petit extrait. Voilà, donc ça c'était une petite piqûre de rappel, parce que même si on est jeune, on a déjà entendu ce tube intemporel des années 90, je crois que c'est sorti en 96. 95, 96, oui. Voilà, donc 95, le Young System qui est un mouvement qui est né à la faveur de quoi? Alors, si vous me permettez, avant de commencer, comme on est dans la semaine commémorative de méditation et de prière pour le Young System, parce que c'est le 10e anniversaire de la disparition de notre fondateur, père fondateur, Maître Jules Badaud. C'est ça, qui était le gourou. Le gourou, le créateur, Young. En sorte, le fondateur même du mouvement Young System. On va saluer encore sa mémoire, voilà, pour nous avoir apporté des hommes aussi bien bâtis et aussi disciplinés qui mettent de l'ordre dans la rue.
Je ne sais pas si vous pouvez nous expliquer aussi le mouvement qui y a derrière, l'inspiration qu'il y a eu derrière. Bien sûr. Le Young System, c'est une force d'esprit en quelque sorte. Si tu me permets, avant de commencer à parler, j'aimerais qu'on rende hommage à Maître Jules, le créateur, et à tous nos défunts. D'accord. C'est-à-dire les défunts des Yang, les familles des Yang, tous les Yang qui sont décédés aujourd'hui, avec Dim Pop, si ça. On peut le faire. Ben allez-y, la scène vous appartient. Comment ça? Aïe, aïe, aïe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ouais, les gars sont présents ce soir. Donc là, c'était une façon de saluer la mémoire de votre gourou, donc celui qui est à l'initiative de tout ce mouvement. Oui. Donc vous étiez en train de nous expliquer comment le mouvement Young est né. Alors, le mot Young était créé dans les années, je peux dire, 80-90. Parce que c'était à l'époque la guerre des gangs, la guerre des groupes, tout ça, dans les quartiers. Chacun voulait s'imposer à sa manière. Et nous, à un certain moment, le gourou nous a appelés, il a dit, on est intelligent, on a des connaissances, on a des capacités. Mais pourquoi gaspiller toute cette force-là inutilement à faire des bagarres et tout ça? On doit changer un peu quelque chose dans la rue. On doit chercher à sensibiliser les jeunes à changer de mentalité, du négatif et passer au positif. C'est ça. Il fallait trouver un nom. Et comme le mouvement a été créé dans notre dojo, dans le sport, dans les arts martiaux, il fallait trouver un nom un peu martial. Donc on a opté pour les deux forces cosmologiques, yin et yang. C'est on a ça, pris, le yin et le yang. Blanc et noir. Blanc et noir, voilà, c'est ça. Le yin et le yang, ça symbolise un peu la dualité de la vie, la douceur, la force, le blanc contre le noir, l'obscurité, la lumière. C'est ça. Parce que comme nous, on se sentait des jeunes actifs, positifs, plus ou moins, parce que dans le temps, c'était la loi du plus fort. D'accord. Donc, il fallait être négatif pour pouvoir défendre le positif. Au fait, c'est ce qui nous a permis de faire souvent des bagarres et tout ça pour défendre cette positivité-là. Sinon, dans l'ensemble même, on n'a pas voulu le faire, mais on était obligé de le faire pour pouvoir casser un peu le négatif, changer un peu, dire aux jeunes qu'aujourd'hui, on doit changer cette histoire où tu viens, tu te bagarres pour rien, là. On doit se bagarrer pour quelque chose, pour la nécessité. D'accord. Donc, c'est pour ça qu'on a créé le nom, on a trouvé la partie yin et yang, on a pris la partie active et la partie positive qui est yang. On dit à partir d'aujourd'hui, on va se nommer Yang System. Le yang, c'est le blanc. Le blanc. D'accord. Voilà. Donc la lumière, ça explique peut-être le choix de tenue de ce soir. Oui, c'est ça, c'est comme ça. Ben, d'accord. Nous, ben, et du coup, tous ceux qui font partie de la team sont tous des compétiteurs, des gars qui ont fait les arts martiaux. Mais tu les vois comme ça, il y a des personnes insignifiantes dans le groupe, mais c'est des dangereux qui sont assis comme ça, tu vois. Ah ouais. Tu les vois petits comme ça, mais ils manquent. C'est quoi la discipline là. Qui a été discipline de base du Yang? Alors le Yang System a commencé avec le Viet Vo Dao, après Kwan Kido, et on s'est transformé en Taekwondo. D'accord, donc les arts martiaux toutes les disciplines associées au fait. Et puis on a commencé à recruter un peu tous les autres maîtres qui sont joints à nous. Il y a des karatékas dans le Young System, il y a des kung-fu-man dans le Young System, il y a des lutteurs, des boxeurs dans le Young System. Donc, les gars, si n'est pas Digba, peu... tu ne rentres pas là-bas. Comment? Si n'est pas Digba, tu ne rentres pas là-bas. Non, ce n'est pas obligé. Au début, c'était comme ça. Au début, c'était comme ça. D'accord. Et puis après, on a cherché de rendre ça un peu plus flexible. Parce que, comme on a dit, on veut changer la mentalité de la rue, changer la mentalité des jeunes. Donc, on a dit, tout le monde peut entrer dans le mouvement. Aujourd'hui, tu trouves même des mécaniciens dans le Young System, tu trouves des menuisiers dans le Young System, tu trouves des vendeurs de choukouya dans le Young System, tu trouves même des garbamans dans le Young System. Et concrètement, c'est organisé comment? Alors, le Young System... Parce que je suppose que ça existe dans plusieurs quartiers, dans plusieurs villes. Bien sûr, bien sûr. Pas seulement en Côte d'Ivoire. D'ailleurs, vous vous êtes exporté aujourd'hui en Italie, depuis plusieurs années. Donc j'imagine que ce mouvement, il a une espèce
je ne sais pas si je dois dire c'est un syndicat ou en tout cas il y a une organisation interne. Non, c'est bien structuré. On a, comment on appelle ça, un bureau et on a des sections de chaque quartier et chaque ville aussi. Donc chaque ville et chaque quartier a son président de section. Et il y a le bureau national qui est là, qui est dirigé par Manu Yang actuellement et le secrétaire général Fabio Yang qui font un grand boulot aussi. Chapeau à eux, je les remercie déjà pour l'effort qu'ils font pour le Young System. Et il y a tout le Gwangi qui fait des efforts. Comme ce soir, par exemple, il y a des gens qui ont laissé leur boulot pour venir ici ce soir, pour venir soutenir ce mouvement-là. Je suis content parce que... Je suis content parce que nous, on a été des fondateurs du mouvement, mais on n'a pas été toujours là pour suivre le mouvement. Mais derrière nous, il y a eu un grand travail. Donc le travail a toujours continué. Tu vois, moi je viens aujourd'hui à Abidjan, après combien d'années, je suis toujours à l'aise. Tu vois, le Yang existe, le Yang est vivant, vous comme le voyez si là. Comme si vous étiez parti hier. Comme ça, voilà, tu vois un peu, donc c'est ça. Donc ça veut dire que l'esprit Yang est resté. L'esprit Yang vit encore. Tout à fait. Alors, je sais qu'à la base, donc, vous avez un mouvement pour ramener la discipline, l'ordre dans les rues. Et puis finalement, vous devenez chanteur, puisque normalement, le Young System s'est découvert à travers aussi cette musique qu'on vient d'écouter. Mmh. Cisco Mackenzie, qui est là devant nous, et Aki Rahim. Donc vous étiez deux, vous avez formé un duo pour propulser cette musique et pour faire aussi la promotion de ce mouvement. Oui. Alors comment la transition se fait des muscles à la musique? Vous savez que les arts martiaux déjà, il y a beaucoup d'harmonie. Les arts martiaux, c'est comme une danse aussi. Mmh. Donc, tous les pratiquants d'arts martiaux sont des artistes, en quelque sorte. Donc, la transition n'a pas été difficile. Il fallait seulement ajouter la musique et le jeu était fait, quoi. Alors, au départ, moi, j'étais avec mes frères de sang, comme on le dit, avec mes Yang. On a créé une danse, la danse que dansait notre maître. Le dansait lui seul. Et à un certain moment, on a dit, mais pourquoi pas propulser cette danse du maître, qui est un peu une danse qui vient... D'ailleurs, qui est un peu spécial, c'était les déplacements des combats adaptés à la musique. D'accord. Excluant comment on appelle ça, les attaques. Donc, sans coups de pied, sans coups de poing, mais seulement les jeux des jambes. OK. Adaptés à la musique. Et on le dansait. On va avoir une démonstration tout à l'heure, ne vous inquiétez pas, soyez pas pressés. On le dansait sur la musique des autres. OK. Tu vois un peu? Et à un certain moment, bon, comme moi je faisais un peu de rap dans le temps, on dit mais pourquoi pas créer une chanson sur notre danse. On est passé même dans les émissions télé, tout ça, seulement pour cette danse. On allait dans des villes parce que les gens nous appelaient pour faire des spectacles de seulement cette danse. Mmh. J'ai dit mais nous on est devenus des artistes, pourquoi on ne met pas la musique dessus? Mmh. Et c'est comme ça que j'ai pensé à faire, qu'on appelle ça, cette chanson qu'on a dénommée Young Dance aujourd'hui. Et comment c'est venu ma connaissance avec Aki Rahim? Et comment on a pu développer ce genre de trucs-là? Parce que AKM déjà faisait partie d'un groupe qu'on appelait AGG, père son homme MC Prince. Et MC Prince qui me contacte, il me dit, voilà, nous on a une émission télé, on a un morceau là qui va en harmonie avec votre danse. Est-ce que vous ne pouvez pas venir nous donner un coup de main pour danser auprès de nous? Et c'est comme ça qu'on allait danser avec MC Prince et AKM Rahim à la télé. Et ça a pris. Tout le monde a commencé à danser cette danse dans la rue, partout, tout ça. On était très bébés, voilà. Mais on se souvient encore de ce tube et de tous les mouvements qu'il y avait dans le clip de l'époque. C'est là que j'ai connu Aki Rahim. Bon, on est resté on devient des amis. On a commencé à se côtoyer, il a commencé à me rendre visite et tout ça. D'accord. Parce que moi, j'étais syndicat à l'époque, syndicat des Baka, là. Voilà. Donc, tu vois, Aki Rahim venait me voir tout le temps, on était ensemble tous les soirs et tout ça. Et quand lui et MC Prince se sont dissous, on a décidé comme ça de faire quelque chose ensemble. Au départ, c'était un essai. On dit, bon, on va essayer de faire quelque chose ensemble pour voir ce que ça peut donner. Donc, il y a le Young Dance. Et lui, il avait déjà des morceaux, tu vois un peu, qu'il avait déjà développé déjà, Jolo National et tout ça. On dit, OK, on va aller ensemble, on va voir un peu comment ça, ce que ça peut donner. Et c'est ce qui a donné, là. Tu vois? En tout cas, ça a donné. Je confirme, Denis. Et Elisabeth nous parle un peu de son inspiration également, de tout ce qui vient... à l'esprit quand on décide de présenter quelque chose comme ce qu'on vient de voir à l'entame. Lorsqu'on décide de créer quelque chose, oui. Tout m'inspire en fait. Vous m'inspirez pendant que je suis assise. Le monsieur, je le trouve absolument formidable. Et toutes les personnes qui sont là présentes, c'est vraiment une grande source d'inspiration. Quand je regarde autour de moi, je suis
complètement impressionnée par, par ce que les gens peuvent dégager. Et donc, c'est ça qui m'inspire. Alors, je prends note. Là, par exemple, j'adorais, vous avez parlé du yin et du yang, c'est vraiment un de mes signes préférés. Donc, je prends note et je peux écrire des choses. Moi, je peux inventer. D'accord. Mais une fois que je suis sollicitée, ces choses-là que j'ai écrites, on va me dire, bon, Elisabeth, fais un lancement pour ma société, pour le lancement d'un produit. Je ne vais pas venir prendre le produit et faire un lancement, une danse ou n'importe quoi. Je vais partir de toutes les petites choses qui m'ont inspirée. Vous, peut-être, je vais vous appeler, je vais dire, monsieur, je vous ai trouvé fabuleux un jour sur un plateau. Pourriez-vous venir, on va ensemble monter ensemble un spectacle, et vous allez dedans, vous allez parler de votre yin et de yang, ou telle personne, le monsieur, je m'excuse, qui est devant moi, que je trouve absolument beau. Il peut être juste un personnage. Et ce sont ces petites choses-là qui m'emmènent à créer, à écrire. Maintenant, ça, c'est l'idée. Maintenant, pour la réaliser, il faut des gens qui vous aident à le faire. Et j'ai eu la chance, comme je vous le disais tout à l'heure, ici en Côte d'Ivoire, d'avoir rencontré M. Nikoko. C'est un professeur de INSAC. Il n'a pas été effrayé par ma folie, ce qui se passait dans ma tête, parce que j'avais été sollicitée pour un projet, il fallait que je le fasse rapidement. Il m'a écouté et il m'a dit, c'est la première fois qu'on me parle comme ça. Eh bien, j'ai bien envie de tenter l'expérience. Mmh. Puis depuis, on ne s'est plus lâché. Tous les spectacles que vous voyez, lui m'amène la partie danse. On arrive à mélanger, parce que je travaille beaucoup avec les top modèles, mais ce n'est pas des top modèles pour faire des défilés de mode, c'est pour leur personnalité. Chaque fille qui est à l'extérieur ou chaque personne qui est dehors m'ont inspiré quelque chose. Ils ne plaisent pas forcément aux gens. On va dire qu'ils sont trop minces, trop grands ou trop petits. Moi, je trouve qu'ils ont quelque chose. Et ces gens-là, je vais leur dire, venez avec votre personnalité, on va créer un spectacle qu'on m'a demandé, on va le personnaliser à l'image. J'imagine que ça demande beaucoup de sensibilité également. Je pense que le problème, oui. C'est peut-être trop de sensibilité. Oui. C'est peut-être ça mon souci. Allez, on va voir en image, parce que les images parlent parfois mieux que les mots. On va voir en image ce que ça donne. Wow. En tout cas, c'est très très beau. Je confirme que c'est très beau. Là, j'ai vu des albinos, j'ai vu des personnes très grandes, effectivement. J'ai vu des muscles. Enfin, il y en a beaucoup ici. Aussi, ouais, j'aime bien. J'ai vu effectivement des personnes très différentes, les unes des autres, mais vous arrivez à assembler tout ça, exactement. À créer une certaine représentation du monde, en fait, du monde qui nous entoure, du quotidien, mais avec beaucoup de beauté, beaucoup de subtilité, surtout. Je suis contente de voir que vous comprenez. Je comprends. C'est absolument pas facile à expliquer. Je pense que pour faire ce métier, il faut avoir beaucoup de sensibilité aussi. Écoutez, ouais, merci à vous de me permettre de le dire. Je vous en prie. Alors, donc, de là est né B2B Gabon. C'est ça. Et vous avez fait la même chose au Congo. Tout à fait. Et puis là, vous arrivez en Côte d'Ivoire, vous vous dites, il y a encore plus de matière, je vais m'éclater, je vais faire de très belles choses. Et du coup, qu'est-ce que vous faites? Vous avez décidé de vous installer ici, de développer B2B l'essentiel avec de nouveaux projets? Mais en fait, je suis passée de B2B Gabon à B2B Congo. Et lorsque je suis arrivée pareil, ici, c'est le B2B l'essentiel tout court, qui existe ici en Côte d'Ivoire, mais qui est maintenant le nom officiel de B2B. Il n'y a plus de B2B Congo, il y a plus. C'est vraiment ici mon siège, vu que j'ai l'opportunité et la chance de travailler avec du bon potentiel. Donc je me suis installée officiellement ici. D'accord. Et je suis bienvenue joignable. En Côte d'Ivoire. Voilà, merci. Alors, j'imagine que vous avez un certain nombre de spectacles produits par an, à peu près. En une année, vous nous sortez combien d'éléments de ce type-là, différents les uns des autres?
Je ne compterai pas en années. J'ai fait plus d'une centaine de spectacles lorsque j'étais au Gabon. Et en arrivant ici, je vais le dire honnêtement, j'étais un peu sous le couvert de mon époux, qui est une grande personnalité. Et je ne voulais pas... Enfin, pas une grande personnalité, qui avait un poste assez responsable. Et j'étais un peu dans l'ombre. Maintenant qu'il n'y a plus cet effet-là, j'ai besoin de... Pourquoi, il a pris sa retraite ? Il a décidé, oui, anticipé. Il a retraite anticipée. Et du coup, moi, je peux... Et du coup, et ça fait plus de temps. Voilà, du coup, moi, ça me permet de me montrer moi et pas derrière le nom de quelqu'un d'autre. Mais je suis Elisabeth et je propose maintenant officiellement mes spectacles. Voilà. Alors, Cisco, qui vit également à l'étranger, qui est installé en Italie depuis... comment tu as réussi donc à transporter ce mouvement Young en Italie où tu es installé? D'abord, j'ai eu la chance de faire ce que je faisais déjà ici, et ce que j'aime. Mm-hmm. Je suis coach en Italie. J'entraîne les arts martiaux toujours. Coach sportif, donc. Voilà, coach sportif. D'accord. Je suis life coach et j'entraîne les arts martiaux aussi. Mm. Donc, c'est une chance, hein, on le disait hors antenne, quand on n'a pas... Quand on va à l'étranger, généralement, on est appelé à faire ce qu'on appelle entre griffes Jossi. On va dans d'autres métiers, généralement, pour se réinsérer professionnellement. Et puis, voilà, quelqu'un qui arrive à rester quand même dans son couloir, comme on dit. C'est ça, voilà. Bravo. Ça, c'est de la veine. Donc, ça a été facile pour moi parce que j'ai pu créer le bon-i, en quelque sorte. Parce que quand tu as des élèves, c'est déjà un bon-i. Maintenant, c'est ta force d'esprit qui va faire la différence, quoi, tu vois un peu. Donc, comme j'avais déjà la force d'esprit ici avant de partir, donc cette force d'esprit m'a permis de créer le mouvement Young System aussi là-bas. Donc, ça veut dire que tous les élèves, toutes ces personnes qui s'entraînent avec moi, qui se sont entraînées avec moi, ils ont tout de suite adhéré. L'objectif du Young System, au fait, c'est d'aider les personnes en faiblesse. Les personnes qui n'arrivent pas à joindre l'autre bout du monde, quoi, tu vois un peu. Ou à se défendre elles-mêmes. Voilà, ou à se défendre et tout ça. Donc, on a plein de projets. On a plein de projets. On compte même entraîner des personnes gratuitement, surtout les femmes, parce que les femmes subissent trop de violence maintenant dans ce monde. Donc, on veut leur donner quand même une possibilité de pouvoir se défendre un peu. Ça, c'est top. Un peu. Donc, le Young System a plein de projets comme ça. Et chercher à donner des formations à ces enfants qui sont dans la rue maintenant, après la guerre. Et même avant la guerre, il y avait des enfants de la rue. Parce que ces enfants-là, déjà, ils nous connaissent et ils nous respectent. Mais comme on n'a pas tous les moyens possibles pour pouvoir leur donner ce qu'ils ont besoin, on essaye peu à peu de se rassembler de plus, de devenir plus nombreux et créer ces genres d'événements pour pouvoir connaître d'autres personnes, pour pouvoir nous donner un coup de main, pour pouvoir aider ces personnes-là, pour pouvoir réaliser nos rêves, parce qu'on veut laisser l'héritage. Et il faut que ça continue, il faut que la génération continue, il faut que... Voilà, c'est comme ça. Le message est bien passé. On va faire un tout petit peu un tour de l'actualité du web avec Colombe Souenet à travers le radar du web. La Côte d'Ivoire des records a fait preuve une nouvelle fois de son incroyable talent. Lago Guy Alain, champion d'Afrique de lutte des moins de 70 kilos, a battu le représentant du Niger après avoir neutralisé celui du Sénégal en demi-finale. Et les commentaires suscités par ce fait sont à mourir de rire. Souleymane et Kimiel du vrai match font encore le buzz. Cette fois-ci, c'est Souley qui donne des détails croustillants de la fameuse facture du restaurant qu'il n'aurait pas pu régler. Selon lui, ce n'était pas le montant le problème, mais le comportement de Kimiel. Il explique que la jeune dame l'a déplacé tard dans la nuit d'Abobo à la Palmeraie dans le but d'enregistrer une vidéo ensemble. Mais une fois sur les lieux, il s'est rendu compte que Kimiel et sa cousine étaient installés dans un restaurant et la facture est arrivée quelques minutes après son arrivée, alors que les deux jeunes femmes avaient déjà bien mangé et bien bu sans lui. À sa mine froissée, Kimiel se serait rendu compte qu'il était embarrassé et avait finalement décidé de régler la douloureuse de 20 000 francs CFA. Andrama Korogo fait aussi parler ce jeudi 27 mai, pendant l'orage. La chute de l'antenne d'une compagnie de téléphonie mobile a fait 3 morts. 3 enfants d'une même famille qui, selon les indiscrétions, venaient d'arriver dans la ville dans le but de passer les vacances avec leur mère en fonction à Korogo, accompagnée de leur papa. C'est en voulant se mettre à l'abri que le drame s'est produit. Le père, lui, serait grièvement blessé. On boucle notre semaine avec l'insolite du jour. Ce genre de formation où Molière est en agonie pendant que
auditoire se pose des questions sur la raison de sa présence. Celui qui veut écouter un coach encore, c'est son problème. Bon week-end. En Afrique, on ne fait pas de science. Il n'y a pas de science en Afrique. Et celui qui veut, je le prouve le contraire. Il n'y a même pas de scientifique en Afrique. Même les doctorats, tout ça, c'est zéro. Ingénieur, doctorat d'université, tout ça, c'est zéro. Que tu sois à l'université publique ou privée, je m'en fous. Alors, on est de retour sur le plateau. On allume la télé ce soir avec Young System, représenté par Cisco McKenzie, qui est avec nous. On est également avec Elisabeth Belle-Rose, qui nous a présenté une très belle fresque, un très beau spectacle tout à l'heure, en miniature. Donc, j'imagine ce que ça donne quand vous vous exprimez grandeur nature. Qu'est-ce que Cisco en pense après avoir vu les œuvres d'Elisabeth? Ouais, mais c'est une bonne inspiration parce que j'aimais plutôt l'harmonie. Tu vois, j'ai vu plusieurs générations ensemble. Des enfants, des jeunes filles, je veux dire. Tout à fait. Et puis le physique, c'est cracra, comme on le dit nous. Voilà. Ça veut dire quoi, cracra? Cracra, ça veut dire c'est parfait, c'est bon, tu vois, non? Et puis bon, moi je félicite toujours des gens qui créent. Des gens qui essayent de donner un message en positif. Parce que ça, c'est un message positif. Tu vois, ça peut inciter les jeunes à s'entretenir. Parce que quand tu vois déjà des mannequins comme ça, bien habillés, avec des chorégraphies de ce genre, les jeunes qui n'ont rien à faire, qui ne pensent même pas, qui pensent qu'ils n'ont pas les capacités, ça peut les inspirer à créer quelque chose. Tu vois un peu? Donc pour moi, pour le Young, c'est la bienvenue, quoi. Tu vois un peu? Et félicitations. À vous. Merci. Merci. On va découvrir ensemble un portrait. Donc, c'est celui d'un jeune Ivoirien qui est réalisateur de clips au label Beaumaillé Musique. Il a débuté sa carrière comme rappeur avec son frère jumeau, parce qu'il est jumeau. Et donc, c'est un duo, Ekel et Gekel, avant de se lancer dans la réalisation de clips, secteur dans lequel il est devenu incontournable en collaborant avec des artistes de renom, avec NASA, avec Caris, avec Fally. Et puis, on a notre équipe avec Willy Zekid, Manu Sphinx et Colombe Souéné qui ont décidé de partir à la rencontre de ce jeune homme. C'est parti pour le portrait d'Allume la télé. Bon, je me présente, Monsieur Dia, Yann. Mon parcours, j'ai commencé d'abord par le rap. J'avais un groupe avec mon frère jumeau qui s'appelait Ekel et Gekel. Donc on a sorti deux albums, un en 2006, un en 2012. Et en 2012, lorsque nous avons arrêté notre carrière de rappeur, c'est là que je me suis orienté vers la réalisation. Donc mon parcours il est en somme classique. Hein. On est passé devant le micro, ensuite on est passé derrière la caméra. Comment es-tu devenu le réalisateur attitré du label Beaumaillé Musique? Bah, comment ça s'est fait? Ça s'est fait naturellement. Hein. Ce qu'il faut savoir, c'est que, comme je disais avec mon frère jumeau, quand on a arrêté notre carrière, c'est à ce moment-là que Philo, donc le directeur général du label Beaumaillé, a contacté mon frère pour qu'il devienne manager d'un artiste qui s'appelait Sams. Par la suite, quand ils ont signé que Black et NASA, bah, mon frère, naturellement, m'a demandé si je voulais pas réaliser leur premier clip. Donc j'en ai fait un, puis deux, puis trois, et puis après, de fil en aiguille, de par mon travail et de par la confiance qu'ils m'ont attribué, c'est là où j'ai fait quand même pas mal de clips, effectivement, du label Beaumaillé Musique. Quelles sont tes réalisations les plus marquantes? Mes réalisations les plus marquantes, je dirais que le premier clip qui m'a marqué quand je l'ai réalisé, c'était un clip qui s'appelait Gros Gras de NASA parce que c'était un morceau assez trap et j'avais bien aimé tourner ce clip là. Ensuite, dernièrement, j'ai un artiste qui s'appelle Roche. Là, je vais faire un clip qui se rapprocherait un petit peu plus de ce que j'aimerais faire par la suite. Donc, c'est un clip qui malheureusement n'est pas sorti encore, donc vous ne pouvez pas encore le voir. Mais ça va être un très très beau clip. Quels sont tes critères de sélection pour choisir les artistes avec lesquels tu travailles? Alors, j'ai pas vraiment de critères de sélection. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je fonctionne beaucoup déjà à la musique. Il faut que la musique, elle me parle pour que je puisse décliner un scénario et puis être inspiré pour faire de belles images.
Après, je dirais qu'au-delà de la musique, il y a aussi l'aspect humain. Je suis très attaché aux artistes qui ont pas trop d'ego, c'est-à-dire avec lesquels on peut discuter, on peut échanger sur les idées que lui va avoir, que moi je vais avoir, puis faire une combinaison des idées. Et puis vraiment, c'est vraiment la musique, l'humain et le feeling, quoi. Après, j'ai pas de critères en soi. Moi, que ce soit un artiste qui est très haut ou un artiste qui est très bas, j'éloge à la même enseigne. J'ai vraiment pas de critères spécifiques. Quel est le clip dont tu es le plus fier aujourd'hui et pourquoi ? Ben, le clip dont je suis le plus fier aujourd'hui, c'est un clip que j'ai fait pour Gaz Maoueté et Fally Ipupa. Pourquoi ? Parce que c'est un clip qui a eu cette belle distinction du meilleur clip de l'année au Africa Music Award 2020. J'étais étonné parce que le clip, vraiment, je l'ai fait d'une manière, on va dire, instinctive. J'ai passé la journée, ça s'est bien passé. Et avoir eu cette distinction, vraiment, pour moi, c'était le Saint Graal, si je puis dire. Pourquoi ? Parce que je m'y attendais pas. Et avoir cette distinction-là, meilleur clip au Africa Music Award, c'était quelque chose qui m'a vraiment, vraiment, vraiment marqué, quoi. Donc je dirais que c'est ce clip-là. Et puis même avoir collaboré avec un grand artiste africain comme Fally Ipupa, c'est quelque chose dont je suis vraiment fier. Quel est le meilleur souvenir de tournage d'un clip ? Mon meilleur souvenir de tournage de clip, je dirais que c'était le clip que j'avais fait pour Caris. C'est un clip dont je suis fier également. Le clip il s'appelle Ayayou. Donc c'est un clip que j'avais fait au moment où il avait des déboires, il était sorti de sa détention. Et ça a été le premier clip qu'il avait fait pour annoncer son album Or Noir Part 3. Donc on avait passé un super bon moment, on a tourné une soirée. Et puis j'ai aimé, Caris il était très à l'écoute. Et puis ça faisait longtemps que je n'avais pas vu, donc on avait bien rigolé ce jour-là. Donc c'est un clip où j'avais un très bon souvenir sur ce tournage-là. Quel conseil donnerais-tu aux jeunes qui souhaitent se lancer dans la réalisation de clips ? Alors, si j'avais un conseil, le tout premier conseil que j'aurais à donner, c'est déjà de s'inspirer soi-même, de ne pas regarder ce que fait le voisin. Parce qu'aujourd'hui, je trouve que tous les clips, ils se ressemblent. Tout le monde fait à peu près les mêmes effets. Donc, c'est d'essayer de trouver, je dirais, sa signature visuelle. Et c'est quelque chose qui est très difficile. Moi, je le dis comme ça, mais moi, malgré mes 7 ans, même 8 ans maintenant dans ce domaine, je n'ai toujours pas ma signature visuelle. Donc, je pense que c'est quelque chose auquel les petits jeunes devraient penser au moment même où ils démarrent, de pouvoir avoir une signature visuelle qui va les distinguer des autres réalisateurs. Et voilà pourquoi on va faire appel à eux et pas à un autre. Je pense que c'est ça. Voilà, on est de retour en plateau. On parle de créativité ce soir. C'est un vendredi. Hein. Je vous ai dit, on ne se prend pas la tête les vendredis. C'est ambiance cool et surtout très culture. Parce que dans tous les départements, de tous les côtés, on s'éclate avec la culture d'ailleurs, la culture d'ici. Elisabeth qui nous a proposé tout à l'heure une très belle fresque. À d'autres inspirations en dehors des mannequins et des personnes qu'on a vues tout à l'heure dans la représentation. Est-ce que c'est essentiellement avec des mannequins que vous travaillez ? Ou bien il y a d'autres. Là, on avait des danseurs également. Mm-hmm. Je travaille avec tout. Je travaille avec des griots, avec tout ce qui touche la culture. D'accord. Et qui, dans toute sa diversité, ça peut être des joueurs de tam-tam, ça peut être des chanteurs, des chanteuses aussi. Je n'ai pas de restrictions. La seule condition, c'est vraiment le talent. C'est si quelqu'un a du talent, il est dans l'ombre et il a envie de se faire connaître et il a une petite histoire à raconter, ça m'intéresse. Parce que ce qui est beau, c'est de sortir ces personnes qui sont dans l'ombre et de les mettre en lumière dans des événements commandés par des grandes sociétés. On demande c'est qui ? Ben, c'est le gars qui est à côté. Tout à fait. On voit tous les jours et qui est en fait une très grande personne. Mm-hmm. Voilà. Alors Cisco, le retour du mouvement Young en musique, comment ça se prépare ? Parce que là, on a beaucoup parlé du mouvement en lui-même, de tout ce que vous défendez comme valeur. Mais côté musique, comment ça se passe ?
Ouais, heureusement que Karim est toujours resté dans la musique. Moi, je suis resté dans le sport. Lui, il est resté en France. En France. Vous, il a son studio, il travaille avec les artistes et tout ça. Et il compte faire même des collaborations avec certains artistes européens et tout ça. Mm-hmm. Et moi, je suis resté dans le sport. Mais ça ne veut pas dire que je suis seulement dans le sport. Mm. Je prépare aussi des choses. D'accord. Donc, après le Jolo National qu'on a eu en 96, il y a eu une autre sortie. Il a eu une autre sortie, oui. Il a eu un autre album, Multisystème. OK. Dont il y a deux albums, oui. OK. Après, il a eu je mets des mots italiens de temps en temps, ça fait rien. Hein. Oui, c'est pas grave, on est habitué. C'est le feeling, pronto, voilà. Si. C'est le nouveau langage yang, voilà. C'est normal, hein, quand on est installé là-bas, ça va de soi. Voilà, donc on s'appelle de temps en temps, on parle des projets, on parle de beaucoup de choses. Mm-hmm. On sait jamais, ça peut être un maratapé. Nous, on a hâte de voir ce magatapé parce que voilà. Le retour en musique de Young System, j'imagine qu'il est très, très attendu à Abidjan et ailleurs hein, dans le monde. J'imagine. C'est ça. Donc, on va pouvoir refermer cette émission avec encore de la musique, encore des nouveautés. En attendant, on part pour un court instant publicitaire. On se retrouve juste après. Arrête de te fatiguer. Viens voir un truc. Commandez des repas. Déplacez-vous en toute tranquillité. Envoyez des colis. Achetez et vendez. Tout cela avec l'appli Yango. 15 candidats. Filmés 24 heures sur 24. Pendant 8 semaines. Dans la maison des secrets. Saurez-vous garder le secret ? Inédit. Secret Story arrive le samedi 15 juin sur le canal 99. Et dès maintenant, le décodeur HD est à 3000 francs à partir de la formule Access et l'installation est offerte. C'est tout pour le moment. Plus facilement, mon gars. Regarde ça. Envoyez les colis. Déplacez-vous en toute tranquillité. Commandez des repas, achetez et vendez. Tout cela avec l'appli Yango. 15 candidats. Filmés 24 heures sur 24. Pendant 8 semaines. Dans la maison des secrets. Saurez-vous garder le secret ? Inédit. Secret Story arrive le samedi 15 juin sur le canal 99. Et dès maintenant, le décodeur HD est à 3000 francs à partir de la formule Access et l'installation est offerte. C'est tout. Pour le moment. On a reçu ce soir Elisabeth Belrose qui nous a parlé de son univers, un univers plutôt créatif, beaucoup de diversité, beaucoup d'énergie également. Et puis on a avec nous également Young System qui est de retour à Abidjan. Depuis les années 96, c'est un groupe qui nous a fait rêver avec des pas de danse inspirés des arts martiaux. Je pense que vous allez avoir le temps tout à l'heure de découvrir ça en plateau. Mais avant, je vous propose de partir pour un zapping et on se retrouve juste après. Donc pour les chanteurs, avant, c'est très important d'interpréter. Souvent, ça te permet de te frotter à certains registres et puis de montrer que je suis toujours là en tant que chanteur. C'est toi qui imposes les interprétations ou c'est le public qui t'invite, qui te demande d'interpréter? Alors, le public aime bien quand j'interprète. Okay. Mais à travers les interprétations, je propose maintenant mes chansons. Okay. Et chaque fois qu'il vient à tout, quelqu'un dit « Moi, je veux que tu me chantes telle chanson de ton répertoire. » Ah, d'accord. Et voilà, ça fait plaisir. Parce que le croire, le dire, le penser, un seul instant, c'est méconnaître le dispositif en matière d'abritage. Il faut arrêter de faire la lecture préparée. Les organes vous de la flèche, sans sévérin. Tu comprends? Et donc, ce que je veux dire, oui. Ici, monsieur ne sait rien du tout et il se joue les spécialistes. Vous, s'il vous plaît, aussi. Vous, ce qu'il a dit, c'est normal. Mais je l'ai arrêté. Mais non, mais je l'ai arrêté, d'accord. Ça. Mais vous ne dites pas qu'il ne sait rien du il tout. Il ne sait rien du tout, Continue la lecture. Je vais arrêter. Continue la lecture. Et c'est très important. C'est pourquoi tu ne sais jamais rien. Comment Mehdi et Joe se sont rencontrés et puis ont décidé de faire ce bébé là ensemble, le groupe TNT? Bon, quand tu dis ça, bon, ça fait bizarre. Ils sont rencontrés, ils ont fait un bébé ensemble. C'est très bizarre. Déjà, on va dire 2003, lors d'une battle de danse au quartier Angré Ilo, Joe, lui, il était à la Star 5. Et pendant un concours de danse, chaque quartier devait envoyer son.
son meilleur danseur. Et ils ont envoyé Jo pour la Star 5 qui représentait... La Star 4. Et puis, Mehdi, Désiré dans le temps, les îlots. OK. Et donc, nous sommes dans les loges, il y a la fête. Avant, on appelait ça les air parties. Ouais. Et maintenant, les enfants ont leur moko chill. Oui. Voilà, on est toujours avec Elisabeth qui nous parlait justement de son univers, un univers qui est, comme je le disais, riche en couleurs. La diversité, pour vous, c'est essentiel quand vous créez? C'est capital. Je ne sais rien dire d'autre. Donc, c'est ce message-là que je martèle dans tout ce que je fais, dans tout ce que je crée. C'est, j'imagine le monde aux couleurs des sentiments, mais les sentiments positifs, monsieur peut comme, renforcer. Comme le yang. Voilà, comme le yang. Et ces émotions-là, je peux les traduire à travers les spectacles. Heureusement, parce que si je devais le garder, ça serait insupportable. J'ai besoin de les exprimer et surtout de parler aux gens pour passer ce message-là, qui est un message purement d'amour. Et voilà. Comme vous parlez mieux avec ce que vous créez. Exactement, j'ai du mal à l'expliquer. On va donc y aller avec une seconde prestation de votre équipe. Comment vous l'appelez ce sont des troupes, vous les appelez comment? Je ne dirais pas ça, je parle plutôt d'équipe parce que j'ai beaucoup à apprendre d'eux. D'accord. Aussi. Donc c'est parti avec une deuxième prestation de l'équipe de B2B, l'essentiel. Ya cora cara la cara cara without taga no that mira anake no that mira. Génial, merci infiniment Elisabeth pour
la beauté de ce que vous nous offrez ce soir. C'est rafraîchissant, c'est énergique, c'est beau. On avait les rollers, on a nos mannequins, on a notre danseuse de ballerine, c'est ça. Waouh, où est-ce que vous allez chercher tout ça? C'est fort, hein? C'est comme je vous l'ai dit, c'est dans le quotidien, c'est des gens que je vois ou des choses que je trouve belles et je veux les mettre. Mais ce qui est bien, c'est eux, ce sont les artistes, parce qu'ils arrivent à se travestir, et ce n'est pas forcément dans quelque chose qui est intrinsèque. Dans le bon sens du terme. Tout à fait, non, vraiment. Et du coup, on fait des choses formidables. C'est beau. Voilà. Franchement, félicitations. Et puis, j'espère qu'après ce passage dans Allume la télé, votre téléphone va faire un gros boom. Cisco, on va rappeler le message, surtout le motif de votre présence à Abidjan, qui est la commémoration des 10 ans de décès de votre gourou. Alors, on a déjà fait un cross populaire. Ce matin, on a fait un don à la pouponnière d'Adjamé. Mm-hmm. Et demain, c'est l'apothéose. Sur le grand terrain de William Civil. D'accord, demain à partir de... À partir de 14h. D'accord, samedi 14h. Il y aura des démonstrations d'arts martiaux, des artistes qui vont chanter, qui vont prester. Les gens vont avoir l'occasion de connaître un peu le Young System, parce qu'il y aura des présentations, il y aura un peu d'images, tout ça. Il y aura un peu de tout. C'est ça. J'en profite pour dire merci et bravo à l'équipe qui a été en place... L'équipe qui a été en place pour organiser ce 10e Gouzouaï, le PCO Diarra Moussa et son équipe. Je remercie tous les Yang pour tout ce qu'ils font comme boulot. Qu'ils sachent que je ne promets rien, mais tant que je serai là, le Yang System andra toujours de l'avant. Ça ne va jamais reculer. Voilà. Merci encore. Elisabeth, un numéro de téléphone. 07 89 51 92 97. Merci. Je veux vous remercier à vous pour nous permettre de nous présenter ici. Ah. C'est très rare. Merci à RTI pour l'invitation. Merci. Merci, merci surtout à M. Joseph Andjou. Merci à vous tous. Merci à tous les. Réveillons Yang Salut. Yang Salut. Jules Salut. Jules Salut. Le gourou yeah. Le gourou yeah. Hey! Tout est cabato, les couloirs sont broumbraés. Tout est nyangami, les couloirs sont bloqués. Tout est cabato, les couloirs sont. Hey! Chacun cherche son mangement. Malgré tous tes pétards, tu t'en sors. Frère de sang, si tu t'endors, tu as tort. Le marathon commence dès que tu mets les pieds dehors. Si tu youyaga, il t'a baissé qu'à bord. Mais il m'a bougé, il t'a baissé qu'à bord. Vraiment, compte pas trop sur tes bras droits. Cherche pour toi, parce qu'il y a pas le banc de temps. Tout est cabato, les couloirs sont bloqués. Tout est cabato.
Marignon.